Eh bien, salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tuto sur mon écran d'ordinateur. Ce tuto va être assez court. C'est juste pour vous montrer comment changer de langue. Par exemple, nous, on est en clavier AZERTY. Ouvre-toi. Voilà. Par exemple. Non, je me suis trompé. Si par exemple, on veut écrire. On écrit en AZERTY, c'est-à-dire AZERTY. Voilà. Et si on veut par exemple le mettre en QAZERTY, c'est-à-dire quand j'appuie sur le A, ça marque sur le Q, le Z c'est W, enfin, etc. etc. En fait, je vais vous montrer comment faire ça. Et c'est tout bête. Attends, je suis en japonais. Voilà. Alors, no normalement, le raccourci c'est on appuie sur Maj. Pas verrou image mais juste maj alt et ça change ici ça change je veux dire là on est en anglais là bim je change en japonais là je rechange je suis en français et si par exemple vous avez si par exemple vous le faites mais si vous voyez rien qui change si vous voyez pas ça que ça s'affiche et en fait c'est juste faut aller dans paramètres déjà je suis sur Windows 8. Je suis sous Windows 8 moi normalement ça doit être la même chose sur Windows 7. Donc comme je vous dis vous faites vous êtes dans paramètres, panneau de configuration. Ok. Je regarde juste si ça enregistre toujours. Oui, ça enregistre toujours. Donc une fois que vous êtes dans panneau de configuration, vous allez dans horloge, langue et région. Langue. Et là, voilà, donc normalement vous allez avoir que français. Les autres là c'est moi qui les ai rajoutés. Donc vous allez avoir que français. Vous allez dans ajouter une langue. Après vous choisissez la langue que vous voulez, mais si vous voulez en QWERTY, c'est-à-dire vous allez dans anglais. Et dans anglais vous prenez anglais États-Unis. Vous faites clic dessus, ajouter. Par exemple moi je vais faire pour vous montrer à peu près je vais ajouter une autre langue. Tiens, je vais prendre espagnol. Je prends l'espagnol. La Colombie. Et vous faites clic droit, enfin vous faites clic dessus, vous faites ajouter. Bim, et voilà, votre langue sera ajoutée. Donc ensuite, hop, vous pouvez fermer ça. Et seulement maintenant, vous allez pouvoir faire Shift Alt et changer en votre langue. Voilà, là je suis en espagnol. C'est marqué. Et vous pouvez aussi changer en cliquant ici et puis en choisissant la langue que vous voulez. Hop, en anglais. Hop, en français. Bon, voilà, écoutez, c'était pour vous montrer ça. Je sais que moi, j'en ai. Enfin, j'ai trouvé ça pour un jeu où c'est que je vais bientôt faire une vidéo dessus et il fallait que je mette en QWERTY. J'ai dû regarder un peu et en fait, c'est tout con. Il faut aller dans les paramètres, c'est pas une configuration, comme je vous l'ai dit. Et puis voilà, après vous changez. Bon sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine. J'espère que ce tuto vous sera utile. Lâchez un petit like si ça vous a fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Facebook. Tout sera dans la description. Bon moi je vous dis ciao tout le monde.